Bonjour à tous les amis, alors bienvenue sur ma chaîne Discus71. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo, bon elle va pas durer bien longtemps, c'est pour vous filmer cette big larve. Elle est énorme, je me demande qu'est-ce qu'elle va cacher. On va dire plutôt qu'est-ce qu'elle cache. Est-ce que ça va être une major? Je ne pense pas une sexuée de toute façon. Mais une média. Trop grosse pour être une média. Regardez la taille de l'œuf à côté là. Je pense que c'est un œuf qui est là. Mais là, franchement, cette larve, elle est énorme. On va essayer de la filmer sous d'autres angles. Si on y arrive, c'est pas évident parce que j'ai le reflet de la lumière. Elle est sublime cette larve. Je suis émerveillé par une larve aussi grosse parce que j'en ai jamais vu une aussi grosse. J'ai l'impression que c'est une grosse goutte de lait. Ouais, on va appeler ça comme ça. C'est énorme quoi. Elles sont toutes après. Par contre, elles n'arrivent pas à la déplacer, elle est tellement lourde. Ben, elles n'arrivent pas à la choper tout court. Alors, je ne sais pas comment ils font pour. Ils ont réussi à la retourner, je ne sais pas comment parce qu'elle n'était pas dans ce sens-là. Mais oh, elle est superbe la larve là. Elle est vraiment superbe. Bon, comme vous pouvez voir, la reine, elle est sur la gauche, dans le haut à gauche, là. C'est la chambre royale. Il y a du couvain. Dans le fond, on le voit bien. C'est pas évident. On voit la différence de couleur des ouvrières. Certaines sont beaucoup, beaucoup plus claires, parce qu'elles sont nées, il n'y a pas bien longtemps. Les foncées, forcément, c'est les plus anciennes, quoi. Elle est superbe cette. Il y en a une qui a une boule blanche entre les mandibules et a priori elle l'a donnée à la larve. Ah, ça a regardé de plus gros ça. Il s'est passé quelque chose avec cette boule blanche qu'elle lui a donnée. Vous l'avez vu comme moi, elle lui a donné quelque chose. Mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pas un œuf, non? Ils sont pas en train de la nourrir avec des œufs? Voilà, c'est peut-être une bêtise ce que je suis en train de dire, mais je sais pas ce qu'elle avait. Cette ouvrière qui est au-dessus là, qui est couleur, on va dire chocolat au lait, elle lui a donné quelque chose, une petite boule blanche, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que ça peut être aussi, on va dire, du pain fourmi? Mais là, j'ai un gros doute dessus. Mais bon, intéressant, quoi. Enfin voilà, quoi, je voulais vous filmer ça vite fait. La big larve, on va l'appeler comme ça. The big larve. Elle est énorme. Et elle a grossi, elle a doublé de volume, je crois, en une journée. Je crois que je ne pensais pas que c'était possible. En une journée ou 2 jours, je crois que c'est peut-être 2 jours, hein, je ne vais peut-être pas dire de bêtises, mais elle est devenue énorme, comme ça d'un coup. Alors j'observe, on va voir ce que ça va donner. Ah, regardez, l'autre, elle lui apporte quelque chose, vous voyez. Entre les mandibules, elle a pareil une petite boule blanche. Elle est en train de donner justement la larve. C'est intéressant. On va voir si on peut filmer un peu plus près. Non, après, ça va pas, c'est pas bien net. Hop, ça a été absorbé. Bon, voilà, je vous souhaite une bonne journée, les amis, et à plus sur ma chaîne.